On fait une bonne première mi-temps où on arrive à bien occuper le terrain, les mettre sous pression, mettre de belles séquences, marquer des essais. Je crois qu'on a 22-9 à la mi-temps. Et puis un tout autre visage en deuxième mi-temps où Brive revient dans le match petit à petit. On est beaucoup pénalisé, on rend beaucoup de ballons facilement. On prend des essais aussi. On était peut-être moins bien en place défensivement que ce qu'on a pu l'être en première mi-temps. Et puis heureusement, la force du groupe fait qu'on arrive à aller chercher cette dernière pénalité qui nous permet de gagner le match. Donc c'est des vraies chances qu'on joue 40 minutes au début et 3 minutes à la fin. Les matchs, ça fait 80 minutes. Aujourd'hui, ça nous sourit bien. Mais bon, il faut. Je crois qu'il faut être capable de. Quand on a la possibilité de bien gagner un match, le gagner bien. Et je crois que pour le que l'on a montré en première mi-temps, pour le qu'on s'est dit en la mi-temps dans les vestiaires, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense qu'il faut travailler quand même sur ce match parce qu'il est intéressant dans notre attitude en première mi-temps. Et maintenant, travailler sur 80 minutes. Voilà. D'habitude, on attaquait très mal les matchs, on prenait rapidement des essais. Mais là, cette fois-ci, c'est nous qui en marquons et en deuxième mi-temps, on se relâche. Donc, c'est pas l'attitude qu'on doit avoir. On doit tenir 80 minutes et être constant. Donc, je pense que le travail qui est effectué en ce moment est positif. Déjà, en défense, on est bien mieux en place. On prend un essai sur Moll pénétrant et je crois qu'un essai sur un jeu de ballon, mais c'est la seule fois où on est franchi. Voilà, donc quand même, c'est pas trop mal par rapport à ce qui se faisait les matchs précédents. Donc on va continuer à bosser, on va rien dire. Voilà, aujourd'hui on prend 4 points, c'est positif pour nous.